Bonjour, chers amis. Je voudrais vous raconter un rêve que j'ai fait la nuit dernière. Vous savez que Jésus ressuscité est monté au ciel et que les chrétiens attendent son retour imminent. Et voilà que dans mon rêve, je vois Jésus qui marche dans les rues de Sartrouville. Et à sa grande surprise, les rues sont vides. Il n'y a personne. Vous vous souvenez que Jésus avait dit à ses disciples, avant de remonter au ciel, est-ce que le Fils de l'homme, quand il reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi? Jésus n'avait jamais pensé qu'il ne trouverait pas d'homme. Et là, il se promène dans les rues de Sartrouville, il ne croise aucun être humain. Il voit une église ouverte, il entre dans l'église, personne. Mince. C'est bien pire que ce qu'il avait imaginé. Alors, il voit évidemment, il y a des maisons, il y a des immeubles, et puis il se dit, je vais sonner aux portes. Il se met à taper aux portes, et il entend toujours la même réponse. Reste chez toi, retourne chez toi. Voilà, c'est la pandémie. On a expliqué à tout le monde qu'il fallait rester confiné. Et donc Jésus se dit mince, non seulement il n'y a plus d'hommes dans les rues, mais il n'y a même plus la charité minimum, c'est plus une question de foi, la charité n'habite plus le cœur de l'homme, celle qui ouvre la porte et qui permet d'accueillir un étranger. Vous savez, cet étranger qu'avaient accueilli notamment les disciples d'Emmaüs qui ont permis de découvrir que Jésus était vivant et d'accueillir chez eux le Seigneur lui-même. Alors Jésus irait vraiment perplexe, inquiet, et se prépare à remonter au ciel, bien triste. Voilà ce qui se passe dans mon rêve. Puis d'un seul coup, voilà un enfant qui paraît à un balcon avec une casserole et une cuillère, et il se met à taper avec sa casserole et sa cuillère. Et puis les autres fenêtres s'ouvrent, et puis tout le monde chante, crie. Allez, bravo, 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 bravo. Et même les cloches de l'église se mettent à sonner. Alors Jésus se réjouit au fond de lui-même en disant, ça va, les humains sont bien vivants. Il était 8 heures et c'était l'heure où tous les hommes aux fenêtres de leur balcon, entraînés par les enfants, acclamaient les soignants et les malades qui luttent contre la pandémie. Jésus repart avec le sourire au ciel, en disant, c'est pas encore l'heure de mon retour définitif, mais l'homme est toujours bien là, et je peux continuer à croire en lui. Amen.